Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser vos propres filets de marqueterie extrêmement facilement avec un laser. Je vous montre quelques exemples que j'ai réalisés, alors que ce soit en combinant, comme ici, deux essences avec une forme qui les sépare, comme ici une forme de vague. Puisqu'on parle de forme de vague, j'en ai fait aussi comme ça. Et c'est marrant parce qu'un motif qui a une représentation dans un sens, si on le retourne, on a l'impression d'avoir un nouveau motif. Ça, c'est génial, ça s'est fait extrêmement facilement. Vous pouvez en faire des différents. Tout cela, je les ai dessinés, créés, je vais vous montrer. Vous pouvez... le seul que je n'ai pas créé, que j'ai créé, mais je me suis inspiré d'une image de vague, c'est celui-ci. Sinon, pour le reste, je les ai créés. Et je les ai faits avec des formes pas forcément identiques. Là, si on regarde toutes les vagues, toutes les bosses, on le voit mieux dans l'autre sens, je trouve. Toutes les bosses sont différentes. On peut avoir de la répétition avec des choses complètement identiques. On peut faire de l'aléatoire complet, comme ici. Ici, on a des petites bulles un peu partout de différentes essences. On peut avoir des choses comme ça, extrêmement fines, parce qu'ici, on a du chêne avec du sapélis, et c'est du sycomore ondé qui vient faire la délimitation, et c'est extrêmement fin. D'accord, on peut faire des choses un peu plus chargées, plus de détails, et comme je l'ai montré, on peut faire du lettrage pour avoir quelque chose qui permette de signer votre création, ou simplement si vous voulez apposer votre marque quelque part, ou un mot quelconque qui plaît, comme welcome, comme n'importe quoi d'autre sur une création, vous pouvez facilement. Alors facilement, il suffit pas juste de réaliser le motif ou l'écriture et de découper. Ça ne marchera pas, ça ne va pas bien coller. Là, par exemple, si j'avais fait ça, les lettres auraient été trop petites. Ça fonctionne comme pour ce qu'on ferait à l'atelier avec une défonceuse. Si on veut assembler deux éléments ensemble, on peut utiliser un gabarit et une bague de copiage ou une fraise à roulement. Mais en fait, il va falloir compenser le décalage lié à la bague de copiage. Et donc là, il va falloir compenser l'épaisseur du laser. Ça paraît compliqué, c'est super simple, vous allez voir. Je vais vous faire une petite démonstration. On va en réaliser une de cette longueur-là. On pourrait la faire plus courte, plus longue. L'avantage de ce laser, c'est qu'il s'ouvre derrière. J'ai prévu de me faire un petit gabarit qui va me permettre de passer de très grandes longueurs. Et grâce à la caméra, je peux repositionner précisément mon redémarrage pour pouvoir continuer et faire des bandes de champ de 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres. Ce sera beaucoup plus simple avec ce type de laser qui s'ouvre derrière. Sinon, vous le faites en plusieurs fois et vous venez les assembler lors de votre réalisation. Pour une boîte, par exemple, pour quelque chose de petit, même de petit, vous pouvez faire énormément de choses. On verra après, dans une autre vidéo, des dessins à la marqueterie, parce que là, ce sera à peu près le même principe, mais il y aura un ou deux petits détails à penser en plus. Sinon, je vous propose d'en réaliser une ensemble, donc on passe sur l'ordi, on la réalise, vous allez voir, ça va aller très vite. Je vais même pas mettre les découpes en time-lapse, tellement que les découpes sont rapides. C'est extrêmement rapide. Allez, on passe sur l'ordi. Allez, on est sur l'ordi, ce coup-ci, j'ai bien activé l'enregistrement. On passe sur le logiciel Lightburn. Oui, parce que la semaine dernière, il n'y a pas eu de vidéo parce que j'ai perdu une grosse partie de mes fichiers parce que j'ai pas fait ce qu'il fallait au niveau des boutons et je n'ai pas pu récupérer grand-chose, voire pas du tout. Enfin bref, dans le coup, c'est de ma faute. Cette semaine, j'enregistre bien, c'est bien activé. L'enregistrement est en cours, c'est nickel, donc on peut y aller. Je vous propose de réaliser un filet marqueté réalisé au laser avec un modèle avec des chevrons. Je vais vous montrer comment je le fais. Vous allez voir, c'est extrêmement rapide, facile. Vous allez comprendre la petite subtilité entre le profil et le contre-profil, la différence entre les essences puisqu'on ne les découpe pas en même temps. On pourrait. J'ai fait celui-ci sur un réel. Je vous le mets à côté en même temps.
Je l'ai fait sur un réel où j'ai découpé les deux pièces en même temps, sur les deux essences différentes, mais j'avais compensé la différence du laser pour la découpe, pour que ça puisse s'emboîter correctement. Allez, on part sur notre filet qui va faire 495 par... On va partir sur un filet de 18 mm. C'est l'épaisseur standard des tablettes, on va partir là-dessus. On pourrait faire plus épais, on pourrait faire 20, on va faire 20 mm, comme si on faisait un petit plateau de jeu ou quelque chose comme ça. Maintenant, celui-ci, je vais le positionner au centre, c'est plus facile, je trouve, à chaque fois. Maintenant, il faut réaliser notre forme en chevron. Pour ça, on va réaliser un carré qu'on va tourner à 45 degrés, comme ça on a bien notre losange, et c'est la base pour notre chevron, le carré qu'on met au losange, qu'ensuite on va déformer. On a un filet qui fait 20 mm de haut, et donc là, sur celui-ci, le carré, je pense qu'on va partir sur peut-être 16 mm de haut, on va voir ce que ça donne. On le positionne tout de suite au centre aussi, 250, et on voit ce que ça donne. Ça me paraît pas mal du tout, peut-être qu'on pourrait le descendre à 15 mm, ouais, 15 mm, ça pourrait être pas mal. Ah, 16, c'était bien. Allez, on va rester sur 16. Je l'ai grossi, maintenant qu'on a ça, on va élargir notre losange. Alors je le fais toujours en proportion sur le filet pour voir ce que ça donne, pour pas avoir un truc complètement énorme comme là. Il faut que ce soit quand même équilibré. Là, ça me paraît pas mal. Après, vous avez, quand vous faites ça, vous avez le petit rond bleu, bleu violacé. C'est comme pour l'écriture, vous pouvez modifier votre forme en fait. On pourrait l'avoir avec des bouts un peu plus arrondis. Nous, on va le laisser naturel. Maintenant, je vais faire un copier-coller de cette forme-là et je vais venir la positionner où je veux. Là, c'est pas mal. Ils se chevauchent à moitié l'un l'autre et c'est ce qui va nous permettre de créer notre chevron. On sélectionne les deux ensemble et on va prendre ce logo-là qui va saisir que l'extérieur. Là, vous voyez, ça n'a pas pris l'extérieur que je voulais, ça a pris l'autre côté. Alors, soit je fais un 180 avec celle-ci, soit j'annule et je recommence mon clic. Et en fait, chaque bouton sur le côté, ces boutons-là, du moins de capture ou de sélection qu'une partie, ou de fusionner certaines parties ensemble, ont en général deux fonctions. Vous cliquez une première fois, vous annulez si c'est pas la bonne, et vous recliquez dessus et vous avez son opposé qui apparaît. Ça, c'est génial, je trouve. Maintenant que j'ai ça, je le repositionne au centre, puisqu'on va partir d'ici pour faire tout notre filet. Vous allez voir, je vérifie, ça enregistre toujours, c'est bien. Maintenant, je vais faire un CTRL-C, un CTRL-V, je vais faire un copier-coller et je les positionne. Je sélectionne les deux, CTRL-C, CTRL-V, Et dès que je vais en avoir 4 comme ça ensemble, je vais resélectionner les 4 ensemble. Voilà. Et maintenant, je peux faire des copier-coller pour faire toute ma longueur. Vous allez voir, ça va aller très vite. Mais il va falloir qu'on fasse quelque chose de plus. Je vais vous montrer. Voilà, puisque là on dépasse, donc on va corriger ça juste après. Mais on va corriger pas pour avoir un chevron entier, mais qu'un bout de chevron, pour que vraiment ça fasse le filet qui arrive jusqu'au bout. Ouais, c'est bien. Allez, CTRL-V là aussi. Ah, là, on n'est pas à 150 tout pile. Donc, on corrige ça pour être bien positionné. Voilà. Et maintenant, là, il nous en manque un bout. Donc, on va prendre juste une pièce qu'on va copier-coller et on va venir la mettre ici. Là, on a notre filet, mais bien sûr, ça ne marchera pas puisque ici, on va dépasser. Et si on lui demande de nous le montrer, il ne va pas nous faire apparaître les pièces en extrémité. Sachant que la pièce en extrémité, comme ici, on ne fait pas un plateau complet avec les retours. On va s'arrêter sur un filet
avec des contours partout, comme ici, je vous montre. Je vais sélectionner la forme carré et je vais faire un carré en englobant tout ce que je ne veux pas. C'est-à-dire, toute cette partie-là de mon chevron doit disparaître. Maintenant, une fois que c'est fait, je sélectionne les deux. Et là encore, je vais sélectionner ce bouton-là pour garder que l'extérieur. Ça m'a fait l'inverse, donc j'annule avec CTRL Z ou alors vous faites la flèche retour en haut. Et je reclique sur le même. Et là, je garde juste ce qu'il faut. Ici, c'est pareil. On fait la même chose. On prend un carré. On fait attention à bien englober tout ce que l'on ne veut pas. Parce que si on en laisse un morceau, ça ne marchera pas. Ça nous laissera une partie à l'extérieur. Il faudra juste la supprimer après. En soi, c'est pas grave. Mais sachez-le. On englobe tout. On se remet sur la flèche pour pouvoir sélectionner les deux et on reprend encore que la forme extérieure. Là encore, ça m'a pris l'inverse, donc on annule et on reclique sur le même bouton et là, on a bien juste la pointe du chevron. Et là, on a tout notre filet est réalisé, on n'aura plus qu'à le découper. Eh bien, pas tout à fait. Là, on va grouper tout ça, on a une première forme. Maintenant, une fois qu'on a ça, je vais faire un copier-coller. Je vais remettre au centre. Juste en dessous de l'autre, on va peut-être la baisser un peu quand même. Voilà. Celle-ci, par contre, maintenant, je vais la dissocier, la séparer, puisque je ne vais pas avoir besoin du contour. Je vais avoir besoin que des chevrons qui seront à l'intérieur de cette forme-là, de la première forme que l'on a créée. Mais je ne peux pas le découper comme ça, sinon je ne compense pas l'épaisseur de mon laser. Donc, je sélectionne toute ma longueur. Et là, je vais prendre celui-ci, les trois petits ronds, pour créer un décalage à l'extérieur de 0,2 mm, je suppose. C'est vrai qu'il n'y a pas la mesure. Je fais un décalage de 0,2 à chaque fois. Alors, ça peut dépendre aussi de votre laser. Peut-être que le vôtre, il faudra l'ajuster à 0,15, 0,18, 0,25. Il faut tester. Moi, le 0,2, c'est là où j'ai le meilleur résultat, surtout quand il y a des parties très fine. Quand c'est beaucoup plus grossier, c'est-à-dire quelque chose comme ça, une forme qui rentre dans une autre, je peux pousser jusqu'à 0,22, 0,20, pas tout à fait 25 quand même, ça force un peu trop. 0,2, c'est un très bon compromis sur mon laser. Commencez par ça, et puis vous voyez, vous faites juste une pièce dans un plaquage, et puis une autre même juste à côté, dans la même essence, juste pour voir si ça rentre bien. 0,2, surtout, vous mettez bien effacer les objets d'origine pour supprimer votre premier tracé. Et là, on a la même forme, mais 0,2 plus large que l'autre. Ça va compenser l'épaisseur du laser et ça rentrera nickel à l'intérieur. Maintenant, on a nos deux profils. Donc, on va commencer par découper le premier. Alors ça, on va le mettre tout en bas puisque je vais mettre mon plaquage en bas. On allume le laser et on essaye. Maintenant qu'il est allumé, le plus important, c'est de faire le focus. Je n'utilise que du plaquage de 6 dixièmes. Donc je viens viser ma pièce. Oula, j'ai été un peu loin. Et maintenant, je vais faire mon focus ici. Maintenant que mon focus est fait, je place mon plaquage, je cadre et on voit ce que ça donne à la découpe. On peut, si on le souhaite, mettre des petits aimants qui s'aimantent entre eux. On peut mettre des petits aimants pour pas que ça bouge puisqu'il y a quand même pas mal d'air à passer au niveau de la buse. Mais quand le plaquage, comme ici, est bien plat, ça ne bouge pas, ça ne pose pas de soucis. Je vous laisse en vitesse réelle. C'est parti. Je vous embarque avec moi.
C'est extrêmement rapide, on est à 7000 mm minute, 7 ou 8000 mm minute. C'est déjà fini. Et c'est là où il faut faire attention quand on l'attrape. Personnellement, avec mes gros doigts, j'utilise toujours la pince à épiler pour l'attraper. Et là, on a notre liseré qui est prêt à recevoir nos incrustations. Allez, toujours en vitesse réelle, je vous mets la découpe du sycomore. Là, par contre, j'ai mis beaucoup plus d'aimant. Parce qu'il était légèrement voilé et je préfère assurer la chose et avoir quelque chose de bien plat. D'ailleurs, on va même en rajouter ici. C'est parti. C'est un plaquage qui a des défauts, ça se voit. Il y avait des accros dans le fer qu'il a découpé. Alors, c'est vrai que j'ai pris l'habitude de le remettre dans le même sens. Là, on pourrait mélanger puisque c'est la même forme qu'on a copié-collé plein de fois. Mais je préfère prendre l'habitude tout de suite de les remettre dans le bon sens. On peut pas dire vraiment que c'est un bon sens, mais si, parce que ça permet de garder le fil du bois, en fait. Ça permet de garder le fil du bois, même si là, en l'occurrence, c'est pas flagrant, parce qu'en fait, c'est du sycomore ondé qu'on vient mettre à l'intérieur, et les ondes font qu'on a l'impression que le fil est dans l'autre sens, même s'il est dans le bon sens, dans la longueur, mais le fait qu'il soit ondé, on le voit pas trop. Ce serait sur le chêne, comme là, où on voit bien le fil d'un bout à l'autre, c'est quand même beaucoup mieux de conserver le fil, donc prenez l'habitude de bien les positionner tout de suite. Pour la démonstration, puisque c'est des modèles que je vais garder comme ça, que je ne vais pas forcément coller, j'ai installé un scotch craft derrière, ce qui me permet de venir positionner mes pièces précisément sans qu'elles bougent, sans avoir à les coller aussitôt derrière. Ça rentre parfaitement dedans. Vous l'entendez, il y a toujours un petit craquement très léger. Le plaquage ne casse pas, hein, il s'installe, on l'entend. Et voilà, on vient de réaliser un magnifique filet en chevron. Et voilà, on a bien réalisé un magnifique filet marqueté en chêne et en sycomore ondé en quelques minutes seulement. C'est vraiment, vraiment un régal. C'est un régal. Tout simplement, c'est un régal de pouvoir réaliser ça facilement au laser. Ça ouvre beaucoup de possibilités et vous allez voir que ça en ouvre encore plus quand on va faire une vidéo sur la marqueterie. Ce ne sera sûrement pas la semaine prochaine, je vais voir. La semaine prochaine, j'espère attaquer la série sur
le tournage pour vous apprendre à tourner vos propres stylos. La marqueterie, on l'enchaînera peut-être juste après. Je vais voir dans quel ordre je le fais, mais ça permet de faire de très beaux projets et on va en faire beaucoup avec de la marqueterie. Et le laser ouvre des possibilités. Ça devient extrêmement simple de faire de la marqueterie avec un laser. Sachant que il faudra prendre un petit peu plus de paramètres en compte quand ce sera des gros motifs. Mais c'est exactement la même chose. C'est vraiment aussi facile, quoi. C'est un régal. On a bien nos formes de chevrons comme ça. On les a créées nous-mêmes. Vous avez vu, ça a été extrêmement vite. Vous pouvez mélanger les essences. Vous pouvez avoir un chevron plus petit, intermédiaire entre deux. Je vais créer un espace DXF. Donc, c'est les fichiers pour le logiciel. Je vais créer un espace sur le site où vous pourrez retrouver beaucoup de choses comme ça. Pour quelques centimes seulement, vous pourrez télécharger le fichier. C'est juste pour financer le temps passé à l'ordinateur, mais pour quelques centimes, vous pourrez récupérer des choses comme ça. Si vous voulez un filet, que vous en sortez pas, ou que vous avez du mal, ou que vous n'avez pas de temps à passer simplement dessus, que vous voulez un filet en particulier, n'hésitez pas à me demander. Pareil pour une marqueterie ou autre, pour les découpes, peu importe. Je vous rajouterai tout ça aussi sur le site. Et je vous rajoute aussi les carrelets pour le tournage des stylos qu'on fera bientôt en vidéo. Ça vous permettra pour quelques centimes, parce que là aussi on va être autour des 70 centimes, 60 centimes le carrelet, jusqu'à 1 euro environ les plus chers. Donc ça vous permet d'avoir plusieurs essences pour quelques euros seulement. Je vous mettrai tout ça, n'hésitez pas à aller voir, le lien est dans la description. Allez, je vous laisse là-dessus et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, à plus tard. Salut.